Bienvenue aux football lovers, bienvenue à tous ceux qui aiment le foot, la super ambiance ici à l'Academy Stadium. Quelques secondes du coup d'envoi, je commenterai ce match avec l'homme que le monde entier nous envie, Omar Da Fonseca. Impossible de penser à autre chose aujourd'hui, on a hâte que ce duel commence. Et c'est ici un magnifique spectacle qui se prépare sans aucun doute. Très heureux de partager ce match avec vous, parce que c'est ça le foot, c'est la joie du partage. Rien d'œil sur le 11 de départ de cette équipe. 4-5-1 conventionnel. Conventionnel, mais toujours très efficace si tu veux être infranchissable au milieu. Alors voilà la composition officielle de cette équipe. La recette de cuisine ici, c'est un 4-4-2 losange. Mais le plus important, c'est les ingrédients. Si vos poireaux ne sont pas bons, la soupe non plus. Thank you. Enjoy the game. Et donc début de cette première période. Ah, l'offensive se poursuit sur le côté. Ah, il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Ballon dangereux en profondeur. Un ballon bien reçu dans la course. Et voilà un arrêt absolument exceptionnel. Arriver à stopper le ballon à cette distance, c'est très très fort. L'arbitre avait bien noté cette faute au départ. La preuve avec le carton jaune. Le corner. Long ballon aérien et du coup la défense écarte le danger. Et voilà une bonne intervention, ça sort en touche. L'offensive progresse bien, peut-être une occasion bientôt. Le ballon circule en attaque et le match peut basculer. Ah, la puissance était là, mais c'est tout, hein. Il n'y a pas du tout la précision. Ça partait comme Cristiano, mais ça finit comme Papadopoulos. Oui, sans commettre de faute. Chétri. Le duel pour récupérer la balle. Anthony Robic. Chétri. Et l'action continue, c'est une bonne séquence. Ah, il était dangereux ce ballon, malheureusement personne pour venir couper la trajectoire. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Anthony Robic.
Oh, attention à ce ballon. Et le danger est toujours. Un duel remporté et le ballon récupéré. Davis. Chetri. Ah, il perd ce ballon. Et attention à cette faute, comme dernier défenseur, ça peut lui coûter des ennuis. Pour moi, compte tenu de la situation des jeux, c'est un carton rouge sans hésiter. Mais voyons à ce qu'il va décider l'arbitre. Mais décision controversée là pour l'arbitre, elle a opté pour le carton jaune. Effectivement, en position de dernier défenseur, en général c'est rouge. Cette équipe peut plus s'estimer heureuse de ce carton jaune. Le tir, le coup franc et la trajectoire se termine au-dessus de la transversale. Très bien tiré, dirigé, ce coup franc. Dommage! Chetri. Ouais, c'est bien lui, sa bonne interception. C'est un ballon de contre à jouer. Ouais, la défense peine à redescendre sur ce contre. Ouais, le centre, il y a du monde dans la surface. Et non, finalement, ça n'apporte rien. Et le ballon sort en touche suite à cette intervention. Anthony Robic. Chetri. Bonne intervention. Et le ballon est repris. Ah, il y a sans doute quelque chose d'intéressant à venir pour l'équipe. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Ah, le ballon est contré. Pourquoi pas prendre l'avantage sur ce corner. Corner. La défense s'en sort facilement, ballon bien dégagé. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Ah, il faut lui proposer des solutions. Bon pressing, ballon récupéré. Ah, bien sûr qu'il y a faute, c'est donc un coup franc. La possession change de camp. Avec un peu d'espace maintenant. Intervention défensive, le ballon en touche. Ah, le ballon récupéré sans commettre de faute.
Oh, la frappe. Et oui, voilà, ça y est, ce match est lancé avec ce premier but dans cette rencontre. Tout dépend du placement, mais ce n'est pas toujours une mauvaise idée de viser le côté fermé. Tu fais croire que tu vas ouvrir le pied et puis finalement tu joues le premier poteau. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Et ce sera 2 minutes de temps supplémentaire. Ouais, il est passé, c'est bien fait. Et donc on va en rester là. C'est la fin de la première période. Et on ne l'a pas beaucoup vu en attaque pour l'instant. C'est une copie plus que moyenne de sa part. En effet, mais je crois que tout ça est lié à un manque de présence dans le dernier tiers du terrain. Si tu ne t'approches jamais des buts, tu ne risques pas de revenir au score. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Et le face-à-face à venir. Et voilà, un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Ah, le corner bien tiré. Ah, c'est mal joué, c'est mal fait, et attention, il y a toujours danger. Ouais, facile, ça passe. Ouais, le gardien évite le but, mais ce n'est pas fini. Ouais, cette action s'arrête là. Ouais, le pressing est haut, attention à ne pas perdre le ballon à cet endroit. Oh, le tacle pas bien maîtrisé, évidemment, il y a faute là-dessus. Et l'arbitre brandit le carton jaune sur cette faute. Tout à fait mérité, bien obtenu à mon avis. Oui, voilà, c'est une bonne percée. Oh, l'égalisation peut-être. Oui, bien fait de la part du gardien. Anthony Robic. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Dans les bras du gardien, sans difficulté. À grosse pression, ballon perdu. Un bon travail sur l'aile pour bouger le bloc adverse. Et ça sort, c'est un renvoi aux 6 mètres. Ah, ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur.
Oui, faute, mais l'arbitre fait signe de jouer. Avantage. Ouais, voilà, c'est très bien construit tout ça. Mais non, le changement de possession du coup, c'est pour l'adversaire. Allez, l'équipe peut jouer le contre. Allez, un bon coup à jouer peut-être sur le côté. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Attention au pressing. L'arbitre laisse l'avantage. Ouais non, l'arbitre avait laissé jouer, mais il revient finalement à la faute. Ouais, c'est bien arbitré ça, il y avait une grosse faute au départ, et donc carton jaune. Ouais, bien joué, le duel est remporté. De la place sur l'aile, bonne percée, balle au pied. Eh oui, le duel est remporté, touche. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Davis. Et pressing sur la relance. Sortie en touche. Ah, sacrée intervention, le ballon est perdu. Sur le côté, avec de l'espace. Pour aller fixer dans l'axe. Très bonne intervention, sans faute. Anthony Robic. Chetri. Attention, voilà un bon duel. Et la parade, mais ce n'est pas fini. Et finalement, le gardien s'empare du ballon assez facilement. Le premier arrêt était magnifique, mais le danger n'était pas encore écarté. Le ballon est enfin contrôlé. Et la balle de match là. Et voilà une bonne parade pour maintenir encore son équipe dans la course. Ça leur laisse le droit de rêver. Et le remplacement peut avoir lieu. Et ce corner est joué court. Le centre vers la surface de réparation. Ouh, il est manqué ce dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. Et la défense s'en sort. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. Ah, la défense peine à redescendre sur ce contre. Ça part dans la surface, peut-être vers un partenaire. Et oui, but ! Cette égalisation dans les derniers instants, elle vient récompenser leur abnégation et leur force mentale. Oui, voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute la défense. Personne ne l'intercepte. Mais regardez, la pression défensive s'accentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Et avec ce but, score de parité, un partout. Anthony Robic. Le but du chaos est très proche. On joue maintenant les dernières minutes. Hors jeu de peu.
Plus que 2 minutes à jouer minimum. Chetri. Allez, ce ballon est repris suite à ce duel. Le ballon en touche. Anthony Robic. Le tir. Et quel bon arrêt. Et en plus, très important cette fin de match. Voilà, une intervention qui pourrait bien être décisive à ce moment du match. Tout le monde le sait, s'il y a un but maintenant, le match est peut-être terminé. Allez, la possession du ballon est bien maîtrisée en attendant l'ouverture. La fin du temps réglementaire et une égalité parfaite au tableau d'affichage.